Bonjour, bonsoir à tous, je suis Drop de Drop Art et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce type de plan séquence dans After Effects. On ne va pas rentrer dans les détails, les informations précises de la production de ce type de plan séquence, on va juste voir ensemble les étapes à suivre pour vous permettre par la suite de réaliser vous-même ce type de plan séquence. On va commencer par créer une première composition, donc 1920 pixels de large sur 817 pixels de haut. On peut appuyer sur OK. On va filmer des personnages dans un décor. Donc il faut déjà commencer par placer ces personnages. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de les placer dans la profondeur de l'image. Ce qu'After Effects permet de faire, c'est de créer des scènes 3D. On reconnaît l'icône ici du cube en 3D qui va me permettre d'activer ces calques comme étant des calques 3D. Et on peut voir qu'ils sont tous superposés sur le même plan, sur la même couche. Ce qui fait qu'au cinéma, les images ont de la consistance, c'est parce qu'on voit la profondeur. Si on jette un œil à ces différentes images extraites de films que j'aime beaucoup, ici Iron Man, on peut voir différents plans qui composent l'image. On a un premier plan ici en flou, qui correspond au bas de la table. On a le second plan qui correspond au sujet qui est net, et le troisième plan où on voit les protagonistes en fond, en flou, avec la profondeur de champ. Retournons dans After Effects, et cette fois on va placer nos personnages afin de créer différents plans. Sachez que si vous avez des calques en haut de la liste, ils vont être vus au premier plan, et les personnages vus à la fin de la liste seront à l'arrière-plan. Pour changer la position des personnages, on va commencer par sélectionner un des premiers personnages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche P qui va nous révéler le paramètre de position du personnage. Trois petites flèches, une flèche verte qui représente l'axe Y, donc la hauteur, l'axe X en rouge qui correspond à la largeur, et l'axe Z en bleu qui correspond à la profondeur, parce qu'on est sur une scène en trois dimensions. Hauteur, largeur, profondeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déplacer les personnages soit en cliquant sur les flèches, soit en changeant les valeurs directement, en cliquant, glissant sur les valeurs en bleu, ou alors on peut directement cliquer sur la valeur. Ici, on peut clairement voir que les personnages ne sont pas tous sur le même plan. L'arrière-plan, ça va être un simple dégradé. Ici, on n'a pas besoin d'un décor qui soit très riche, qui soit très net. On veut focaliser notre attention sur les personnages. Maintenant que mon décor est placé, je vais pouvoir créer une caméra. Clic droit, nouveau, caméra. J'ai sélectionné une caméra 35 mm et je fais OK. La caméra va faire intervenir une nouvelle notion très importante, le cadrage. Qu'est-ce qu'on va focaliser avec notre caméra? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'animer. On va lui faire faire un déplacement. Pour l'instant, elle est fixe. Pour déplacer la caméra, faire une animation avec cette dernière, ce n'est pas très compliqué. On va commencer par focaliser sur un des personnages. Et pour savoir comment bien cadrer l'image, il faut avoir en tête ce qu'on appelle la règle des tiers. On n'est pas obligé de suivre la règle des tiers, mais disons que si on la suit, il y a plus de chances d'avoir un résultat qui soit conséquent et qui soit efficace. Ce que cette règle des tiers raconte, c'est que si on divise notre image en tiers, on a des lignes de force et des points de force sur lesquels on peut se baser pour placer nos sujets. Par exemple, ici, ce qui m'intéresse, c'est de focaliser le spectateur sur le regard d'Octavia. Je vais donc placer les yeux d'Octavia sur la même hauteur que le premier tiers. Ici, on voit que les yeux sont bien alignés sur la ligne bleue. Et si j'enlève tous ces marqueurs, effectivement, notre attention est clairement portée sur le personnage d'Octavia. Maintenant que notre caméra est placée sur ce premier point, on va pouvoir ouvrir les options de la caméra en appuyant sur la petite flèche ici à gauche. Je vais pouvoir modifier la position de la caméra, ou alors je peux changer son point d'intérêt. Qu'est-ce que la caméra regarde? Une caméra peut rester fixe et décider de regarder ailleurs sans changer de position. C'est comme vous quand vous êtes en haut d'une montagne. Lorsque vous tournez la tête, vous ne vous déplacez pas vers la gauche ou vers la droite, vous restez fixe, planté comme un piquet, et vous n'avez fait que tourner la tête vers la droite ou vers la gauche. Eh bien, c'est ça le point d'intérêt. Sans bouger, où est-ce que vous allez regarder? Alors que la position, vous pouvez continuer de regarder un PEGU au loin, votre meilleur copain, votre meilleure copine, pourquoi pas?
Vous le regardez au loin et vous décidez de vous déplacer, de tourner autour. Le point d'intérêt ne change pas, ça reste votre pégu de copain en plein centre qui reste fixe. Par contre, vous, vous tournez autour et là, vous changez de position et pas de point d'intérêt. Et ben, c'est pareil pour la caméra. Ici, on va animer les deux et pour commencer à animer tout ça, on va activer les petites cloches ici. Maintenant que j'ai focalisé une première fois sur Octavia, je vais pouvoir déplacer mon curseur vers ici et je vais déplacer ma caméra pour cette fois focaliser vers le second personnage. Toujours en essayant de garder cette règle des tiers magique qui fonctionne la plupart du temps. Maintenant qu'on a focalisé sur le second personnage, on va se déplacer à nouveau pour focaliser sur un troisième personnage. Ce plan-là me convient, je vais pouvoir me déplacer une dernière fois. Vous remarquez qu'ici je ne parle pas de zoom mais bien de déplacement vers un personnage. On se rapproche du personnage. J'ai mes 4 points principaux. Tout ce qu'on va avoir à faire maintenant, c'est de rendre ce mouvement beaucoup plus réaliste. Parce que là, actuellement, la vitesse de la caméra est constamment la même. La caméra n'accélère pas et ne ralentit pas. Alors que vous, si vous vous déplacez, que ce soit avec une caméra ou juste si vous courez pas, tac, instantanément. Il vous faut un temps avant que vous mettiez à atteindre une certaine vitesse. La voiture, elle passe pas de 0 km/h à la vitesse de la lumière en une seconde comme ça. Ça se fait progressivement. Et bien pour les caméras, dans After Effects, c'est pareil. Il faut faire progresser sa vitesse, la faire accélérer et la faire décélérer. C'est pour ça qu'on va joliment surligner les images en faisant un clic et glisser. Et je surligne les points clés comme ça. F9. Et là, on voit que les petits carrés qui représentent les points clés sont passés en spoutz qui ne sont plus des carrés. Ici, j'ai un bouton qui correspond à l'éditeur graphique. On va pouvoir voir la représentation graphique du mouvement de la caméra. On a bien une accélération, il y a une progression et il y a un ralentissement pour passer de la vitesse maximale à nouveau 0. Sauf que c'est pas encore assez bien. À chaque fois, on remarque que la caméra s'arrête littéralement à chaque fois qu'elle atterrit sur un personnage. Nous, on veut que cette pause, elle ne la prenne qu'au début et qu'à la fin. Pour faire en sorte que la caméra ne fasse pas une pause, on va surligner les deux points clés ici et on va les lever comme ceci pour qu'ils ne soient plus à zéro, mais un petit peu au-dessus. Très légère différence, mais qui a son importance. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est changer la progression de ces images clés, faire en sorte qu'elles accélèrent et qu'elles ralentissent plus vite. Ok, donc maintenant, j'ai fini de peaufiner l'animation de la caméra, donc on regarde ce que donne le nouveau résultat. Maintenant qu'on a fait notre composition d'image et notre cadrage, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, la correction colorimétrique. On a un joli déplacement, on a un joli personnage, le tout c'est de mettre tout ça en valeur. On va habiller notre image. Pour ce faire, il existe plusieurs techniques. On peut rajouter plus d'éléments de décor, on peut rajouter des effets, et on peut littéralement changer les couleurs des personnages et de l'image. Pour ce faire, je vais commencer à rajouter un peu d'environnement, un peu plus d'éléments de décor et particules. Maintenant, je vais pouvoir esthétiser tout ça avec des effets et de la correction de couleur. Le premier effet que je vais utiliser, ça va être un effet de brillance sur les particules, comme ceci. Les particules ont désormais cette espèce de scintillement comme des étoiles. Pour créer cet effet, j'ai fait un clic droit, nouveau, adjustment layer, ou calque d'effet, ou calque d'ajustement, je sais pas. Sur ce calque d'effet, j'ai rajouté l'effet Star Glow que j'ai paramétré pour obtenir ce type de brillance. Maintenant, je vais créer un nouveau calque d'ajustement sur lequel je vais pouvoir faire de la correction colorimétrique, comme ceci. Maintenant, les personnages brillent beaucoup plus parce que j'ai utilisé l'effet Glow qui est trouvable directement dans After Effects. Je vais également ajouter du flou de mouvement parce que pour l'instant, tout est très net et ça pique un peu. Pour activer le flou sur nos calques, on retrouve l'icône ici avec plusieurs petits ronds qui correspond au motion blur, au flou de mouvement, et je vais l'activer comme pour les calques 3D, sauf que cette fois, c'est du flou. Et pour activer définitivement le flou, parce que là on l'a activé sur les personnages mais pas sur la composition, on clique sur le gros bouton flou de mouvement, c'est la même icône mais en plus gros, juste ici. Ici on voit le résultat, c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui
comment utiliser Magic Bullet Looks, il y a déjà d'autres tutoriels qui expliquent ça. J'ai juste voulu donner une teinte plus froide à l'image, plus de brillance, moins de différence entre les pixels blancs et les pixels noirs de l'image. Mais là, je trouve qu'il manque encore quelque chose. Quelque chose ne va pas dans cette image. Premièrement, je parlais de profondeur. Souvenez-vous, au tout début, je parlais beaucoup de profondeur. Cette profondeur de champ, maintenant qu'on a des personnages sur différents plans, on va pouvoir la générer avec la caméra en activant le flou de profondeur de champ. Et on va pouvoir ajouter un dernier détail. On voit que nos personnages sont éclairés sur le dessus. Au niveau de la couleur du dessin, on voit qu'il y a de la brillance dans les cheveux, qu'il y a des reflets sur le dessus des vêtements. Donc il faut que je rajoute une lumière factice qui va simuler l'éclairage qui se trouve au-dessus des personnages. Pour créer cette lumière factice, cette fois je vais créer un nouveau solide de couleur noire que je vais remplir avec un dégradé 4 couleurs. C'est très moche, c'est parce que pour l'instant il prend les couleurs de base. On va pouvoir lui attribuer une couleur. Et je peux même déplacer les points pour choisir quelles zones vont être éclairées. Et c'est en ayant tous mes points noirs à l'exception d'un seul que je vais pouvoir faire cette lumière factice sur le dessus. Maintenant que j'ai ma lumière positionnée, je vais pouvoir l'incruster sur les différents personnages. Il va falloir passer dans Toggle Switch, en bas, le bouton en bas, et passer le mode de fusion, ce qu'on appelle le mode de fusion du calque, en screen. Tous les pixels noirs vont devenir transparents, progressivement changer la transparence du calque. Ce qui fait qu'on ne va voir que, finalement, la lueur rose. Mais les personnages sont beaucoup trop... On a perdu de l'information dans la couleur des personnages. Ils sont beaucoup trop clairs. Je vais changer la colorimétrie de mes personnages en ajoutant sur chaque calque des retouches lumétrines. Et maintenant, on peut voir que c'est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus clair. On peut profiter du rendu final. Voilà, donc ce sera tout pour ce premier tutoriel sur After Effects. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer sur les prochains tutoriels. Si vous souhaitez plus d'explications, si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, merci encore une fois à Ezian pour m'avoir passé ces personnages-là pour ce tutoriel. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la revoyure. Ciao !